Salut tout le monde, c'est Seth pour une nouvelle vidéo sur cette fameuse course d'overboard que je relance sur la discussion avec Madame Starlen à l'instant présent. Je m'appelle Starlen. Tu viens pour la course? Exactement. Non, je viens pour faire une course. De Je te l'enthousiasme, jure. ça me plaît. Allez, va à l'intérieur. La première course commence dans 5 minutes. Bon, je vous préviens, ça fait un moment que j'ai pas joué à une course d'overboard, donc on ne juge pas. Ah bah, Alors accueillez-le j'ai un peu comme le temps il de... se doit. Ok, c'est pas pour moi. Les blocs d'accélération de la piste offraient un avantage tactique aux candidats qui laissent survoler. En activer un seul permettrait à Ratchet de booster le système de propulsion en de or. Son overboard. L'outsider Ratchet prend la deuxième place. Sa jauge d'accélération pleine, Ratchet activa le système de nitro de l'overboard. Ratchet passe en tête. Il va rester derrière, ça, c'est moi qui te le dis. Les fans seront contents d'apprendre que, d'après ses représentants, Kid Mac Max va bien. L'overboarder professionnel s'était blessé en sortant d'un de ses magasins de sport, mais sa chute ne laissera aucune trace. Il s'est fait dépasser. Ah, mais je vous le suis, ok? Ratchet passe en tête. Il va bien vite celui-là. Pourquoi il m'a fait ce que j'ai pas peur à chaque fois? Wow, Ratchet fonce vers l'avant. Bon, il a arrêté. Parce que l'autre, il a arrêté. Il s'est fait dépasser. Dépasser, dépasser, c'est bien trop grand mot. Je trouve que c'est de l'art. Ok, punch. Chaud. Bravo, tu es le premier Lombax de l'histoire à gagner. On dirait pas le handicapé qui était course. Sur la vidéo. Reviens quand tu veux. Il y a des super prix à gagner. Okay. Ça a ses avantages d'être sponsorisé par Gadgetron. Théoriquement, je ne suis pas encore sponsorisé par Gadgetron. On peut participer à la coupe d'argent. Enfin, on a peut-être mieux à faire. Non, 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 j'ai pas mieux à faire. Coupe d'argent. Ok. Alright. Cette fois, avec les TNT, au nom de challenge. Ouais, ça a pas l'air compliqué, mais... Wow, joli. Ah! C'est trop laid celui-là. Ah bon ben je vais réessayer. Je vais le refaire. J'ai besoin de ce qu'il me donne et j'ai besoin des cartes. Oh désolé. Reviens quand tu veux pour tenter à nouveau ta chance. Fais pas genre t'es heureux, t'es dégoûté. C'est comme tu t'en fous de moi, t'es payé. Ok, on restart. 1, 2, 3.
fire! Yahoo! Allez, on y va. On va essayer de raser un peu plus tout ça. De nos concurrents. Vislantex est équipé d'un Orion S12 modifié. Le jeune Victor Equinox utilise un Vortex 2000. Et Chester Saint-Cloud a quant à lui choisi un Romulus Turbo 4. Pas vraiment à quoi correspond notre technologie, mais... Bon, je suis censé avoir pris un peu d'avance. C'est pas la carte ça. Sauf sur un petit tank là. Ok. Allez, je suis du parfait. Comme ça, j'aurais dû jouer tout à l'heure. Putain, wow, sérieux. C'était ça. Incroyable. J'espère que ton prix te plaît. Tu l'as mérité. Ok. Donc, 1.33, pas mal. Hein. Ouais, on s'est qualifié pour la Coupe d'Or. Et maintenant, on va faire la Coupe d'Or. Allez. Voyons chaud. 2. 1. Fire! Chouchous du public sont de retour. Nous ferons-ils autant rêver que lors du dernier championnat? On va essayer. Ok. L'outsider Ratchet prend la deuxième place. Ratchet passe son tête. Il se fait dépasser. Ouais, mais pas pour longtemps. Ok. Il y a un peu de mal avec cette trajectoire, mais ça va. Les fans seront contents d'apprendre que, d'après ses représentants, Kid Magmar va bien. L'overbender professionnel s'était blessé en sortant d'un de ses magasins. Ok, c'est bon. Mais sa chute ne laissera aucune séquence. C'est le dernier des points. Ah! Heureusement ça compte pas comme des pénalités. C'est... Oh là là, j'ai vraiment pas de chance. Et je retombe dessus. Voilà. Ah, je vais encore me la faire les tailles. Je suis pas bon du coup. Ok, c'est pas si compliqué que ça. Le boulot était tout simplement incroyable. Tu devrais penser à une carrière pro. Nice. J'ai gagné ma carte. J'ai gagné une carte. Bah on va regarder dessus. Qu'est-ce que j'ai gagné comme carte? J'ai gagné. Oh, j'ai gagné un Telt 2. C'est génial. Et des gants et un combustor. Ok. D'accord. L1, AT4, t'appuies sur L1. Ok. 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 Donc, ouais. Et le tilt. Il y a 3 sets. Ok. Il faut avoir les 3 pour gagner le tilt de ce jeu-là. Yes. Ça va le faire. Oh. J'ai arrêté la voiture. Et tu sais que ce n'est pas en gardant tes boulons que tu feras vivre les commerçants. Viens acheter un pixeliseur, tu ne le regretteras pas. Attends, j'arrive, Robbie. Je vais l'appeler Bill. Salut, Bill, le solitaire. Tu gères en overboard. J'aurais bien besoin de tes services. Viens donc me voir pour qu'on parle affaires. Je...
Je ne peux pas te dire où je suis, mais les échos qui courent sous la ville méritent bien d'être explorés, tu ne penses pas? Oui, je sais. Allez, je monte le vendeur. J'y vais. Yahoo! J'ai un niveau. Bon, j'espère que ma course d'overboard vous a plu. Je me suis donné hein, pour finir premier le maximum de fois possible, hein, si je puis dire. Qu'est-ce qu'il y a par là? Oh, je crois que j'en ai fait. Même si j'avoue que j'ai pas été ouf sur la deuxième et le premier essai, c'est vrai. Mais ça, c'était pas si mal, je trouve quand même. Bon, on va nous amuser, ça aurait été pire. Cool! Je sais pas que ça faisait autant de choses. Ouais, je préfère regarder. Hein. Donc, c'est ça n'importe quand non plus. Hein, c'est rien. En fait, pardon. J'ai vendu mon prénom. J'ai vendu mon prénom. Faut que je fasse un peu attention quand même. Qui est là? Qui? Ah, je peux rentrer. Ok, plus de poissons. On peut y aller. C'est parti! Oui! Continuer à m'attaquer alors que je vais pixeliser. C'est génial. Hop là. Ok, qui pour moi. C'est magnifique. Yahoo! Ah, la fameuse course aux égouts. Vous connaissez? Vous vous rappelez? C'est un tu cours ou tu crèves. Et c'est parti. Oh mince. C'est parti pour le show. On devrait courir là. C'est vrai. Tu es super perspicace, ta biche. Apprécier que le petit écran 1 sur Play 2, il n'y avait pas de turbo-propulseur sur plan, je vais l'abuser. Donc j'étais obligé de courir et de nager à la vitesse d'un rempart sans propulseur. Ratchet savait qu'il devait remonter pour respirer. Elle n'avait pas remonté à la surface. C'est moi, c'est l'autre là. C'était moi une. Ouais. Vas-y. Je vais faire encore une fois bêtement. Je vais faire gaffe, hein. Un peu de préparation. Ok. On récupère tout. Bon gain. Un précieux gain. Je vous aurais bien fait des vidéos sur les autres anti-abattements et sur des jeux d'autres consoles, mais je n'ai pas de matériel adéquat pour effectuer mes vidéos, donc voilà. Reste sur tes gardes. Voilà. Je ferai que des vidéos sur Play 4 pour le moment, jusqu'à ce que si un jour je viens avoir ce qu'il me faut, je vous ferai part de la suite de mes jeux. Qui sont principalement les Ratchet & Clank, Jak & Daxter, les Final Fantasy, pas tous évidemment, j'ai commencé à la Play 2, j'ai pas pu avoir les autres. Hey, petit. Ok, petit vidéo. T'aurais pas des holocartes de Telt par hasard? C'est quoi un Telt? Eh bien c'est juste l'arme la plus puissante de la galaxie, champion. Ça veut dire t'éclater la tronche. Tu vois, les types de chez Gadgetron,
Ils savaient que les plans étaient bien trop dangereux pour être tous stockés au même endroit. Alors ils les ont divisés et ils les ont imprimés sur une série d'holocartes. Mes associés et moi, on aimerait beaucoup récupérer toutes ces holocartes. Comme ça, on aurait les plans complets. Laissez-moi deviner, si on vous apporte les holocartes, vous nous fabriquerez l'arme. Tu as tout compris, mon très cher ami. Tiens, rendons ce crocheteur. Ça facilitera certainement la récupération de la dite marchandise. Et voilà, nouvel équipement, oui, nouveau gadget. On peut voir ça, tout est en forme. Excusez-moi, je me permets d'emprunter un petit boulon de réserve. Voilà. Ok, on continue. Utiliser le crocheteur. Le crocheteur peut tourner l'anneau de contrôle. Ses ports détectés alimentent le dernier port avec le dernier. Et voilà. Ah, hop. Tilt. On va regarder ça. Oh, je suis en plein vol. Oui, c'est ça, le tilt de Ratchet & Clank 1. Il est magnifique. Tilt de Ratchet & Clank 1, tilt de Ratchet & Clank 2. Il a une sacrée tronche quand même. T'en as trouvé une. Continue à en chercher. Et là-bas, direction l'overboard. Les holocartes sont partout. Ok. Et on retourne au vaisseau. Ah. Ok, et ben voilà, petite amélioration avant la fin. J'ai des armes. Avant la fin, il est où mon pixieur? Génial. Tu vois quelque chose qui plaît? Je me suis trompé. Oh, attends, gros vitreux. Tu m'en diras des nouvelles. Ok. Bien. J'ai donc fini la planète Rilgar. Du moins, pour le moment. Attendez qu'il me... Bah, je sais pas, jouer. De toute façon, j'en ferai forcément un tour. J'en aurai forcément besoin à un moment. Donc voilà, je vous quitte sur cette fin de planète. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bye bye les amis. Et n'oubliez pas un petit pouce bleu si vous avez aimé. Allez, salut.